C'est vraiment une star, comme Michael Jackson. Est-ce que vous venez pour Vincent Van Gogh? En partie, oui. Arles est devenu le sanctuaire du peintre hollandais et la Fondation Van Gogh son nouvel écrin. Dernier préparatif avant l'ouverture de la nouvelle exposition, l'artiste peintre Bertrand Lavier a son avis sur le succès de la Fondation. Il y a une convergence entre l'arrivée de la Fondation et le phénomène de Van Gogh qui est une chose universelle. Hein. C'est un succès planétaire, il suffit de voir même à Paris, il y a une exposition au musée d'Orsay avec Van Gogh et Artaud. Je pense que ça bat les records de fréquentation. Autre raison, la ville n'avait jamais eu auparavant de peinture originale du maître. La Fondation comble un vide et crée une dynamique en invitant des artistes contemporains. On veut être ouvert pour une discussion, pour mélanger un peu les mondes des spécialistes de l'art ancien et de l'art contemporain. Si la Fondation est devenue un des monuments les plus visités, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans un paysage touristique. On a vraiment une clientèle importante qui est venue spécialement pour ça. Mais en même temps, elle vient pour les rencontres d'Arles, elle vient pour le patrimoine mondial. Je crois que c'est vraiment ça notre différence, c'est ce tout. Et ils sont presque 2 millions par an à visiter la ville. Certains ne connaissent pas Van Gogh, mais tous repartent avec un souvenir de l'artiste.